Attention, Zelda 33, tu écoutes Poélic, est-ce que tu as digéré les lèvres et le saké? Salut Eric, les bons 1351 à toi, ainsi qu'aux autres stations à l'écoute derrière pour le grand QSO national du canal 27. Alors, cette première demi-heure est filmée, voilà, puisque les OM sur internet attendent avec impatience justement de nouvelles petites vidéos. Donc, alors, on va essayer de faire. Bon, hier soir, Hachi. Donc là, c'est reparti pour une première demi-heure de QSO filmé et puis la suite hors vidéo. Voilà, donc on est samedi soir. Les 73 Eric, il y a. J'ai entendu, là, il y a une demi-heure de ça, Chameau, voilà, qui passait dans le coin, il a fait un petit bonjour. Donc il est au courant que ce soir on est là. Alors les Nems c'était bon, oui affirmatif. Et donc le restaurant One Nem que tu connais peut-être, ben, c'est des amis justement là qui de très bons amis là qui le tiennent. Ok, ça pour ça, oui, le problème. Bon, le tout c'est que tu aies bien digéré tout ça et que le saké soit bien passé. Mais j'en profite pour saluer tous les enfants de l'OM qui sont à l'écoute. Les amis, les amitiés de 14, Victor et Corel-Jep, l'opérateur Eric du sud de Bordeaux, voilà. Allez, je te retourne le micro, oui. Ok, j'ai entendu quelqu'un rigoler. Ok, retour de micro, je crois que j'ai reconnu Chameau. Non, c'est pas Chameau que j'ai entendu derrière. Ouais, Daniel, c'est faux. Écoute, je bois le café là, puis après, je reprends le mic. Ok, Eric, l'as-tu entendu? Écoute, j'ai entendu quelqu'un qui parlait, oui, mais j'ai pas reconnu. Ah ben justement, c'est Florent, Florentine, Hachi, c'est Chameau, dromadaire, comme tu veux. Voilà, il prend le café, puis après là il arrive. Donc le temps de vite se lavaler, puis là il sera parmi nous. Voilà, alors qu'as-tu fait aujourd'hui, Eric? J'ai fait comme Michel Blanc, marche alors, aujourd'hui je reste à l'abri, parce qu'alors, ouf. Oui, il y a eu autour des 35 par là, je crois, là, aujourd'hui. Demain, pareil, c'est costaud, je sais plus. Si, je crois que c'est ça qui était annoncé aujourd'hui. Demain, je crois que c'est autour des 35-37, hein, autour de dans ces eaux-là, quoi. Là, ça devrait pas être mal, hein. Et demain, nous, on monte chez les beaux-parents, chez Charente-Maritime. Il y aura aussi Bernard, 14 unités francophones, 001, là, qui sera avec nous aussi. Hein. Ok, c'est un bon simple, voilà, mais pas de problème. Oui, il faut qu'on en profite encore un peu là, parce que à partir de lundi, c'est les orages qui reviennent. Mais bon, ça va rafraîchir, ça fait du bien. Ouais, je suis en train de lire de ton petit message. Ouais, lundi, bah oui, tu m'étonnes. Là, tout à l'heure, en rentrant, je me suis vite dépêché à rebrancher quelques trucs, puisque hier matin, ben, on s'est occupé de la lasure, là, sur les abris de jardin, les deux. Et donc, j'ai des radars dessus, là, demi en place, j'avais tout démonté et tout, ça, le temps que ça sèche. Et vu qu'au demain, on n'est pas là, vu la météo annoncée pour lundi, je me suis dit là, j'ai intérêt à vite attraper un tournevis, vite remettre ça en place, parce que j'avais posé ça comme ça à la je t'emmerde sur le pardon pour la grossièreté sur le toit de la boue de jardin. Quoi. Donc j'ai vite remis ça en place. Voilà, c'est tout bon de mon côté. Et c'est vrai qu'aujourd'hui il a fait chaud, hein, puisque on était parti au départ pour prendre la moto là pour aller là-bas à la test de bûche. Et puis on s'est dit qu'en fin de compte, rester à Londres, c'était pas mal non plus, quoi. Ah, c'est vrai que c'était assez cuisant. Ok, il y a du monde qui parle en tant que toi derrière. Je sais pas qui c'est, j'entends parler. Ah, ok, je vais laisser un blanc en avant la station avec les 2073 de l'ensemble du groupe.
Ah si, j'entends quelqu'un, mais c'est très 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 QRP de mon côté. Hein. Ouais, 2 secondes. D'accord. Ouais, Eric, tu entends toujours? Quand tout à l'heure tu vois du lit, la station qui parlait avec toi derrière. D'accord. Ben je sais pas, je suis pas au courant. C'est peut-être un petit plaisantin, quoi. C'est possible. Ouais, j'ai l'impression qu'encore ce soir la propague, c'est pas le temps, hein. Ouais, affirmatif, il y a eu un break. Vu le break que c'est, j'ai l'impression. Ouais, putain, on aurait dit, je sais pas, c'est... Enfin, je dis un break, mais bon, chez moi, c'est toi que j'ai entendu. Si c'est toi, vas-y en avant. Chez moi, est-ce que c'est toi que j'ai entendu? Bon, ben ok, la station, on a qu'à breaker en avant. J'y comprends plus rien. Hein. Là, il y a eu deux breaks. Je sais pas, ça veut pas rentrer. Bon, mais c'est pas grave. Hein. Je crois qu'il y a un petit peu d'antenne. Ouais, ouais, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va faire avec. Au fait, je sais pas si t'as vu là sur le groupe, mais apparemment, il y a un nouveau poste qui est sorti. Là, t'as vu ça, non? Ouais, celui que tu as publié, j'ai vu ça, ouais, ça a l'air mal. Non, c'est pas moi qui l'ai publié. Attends que je le retrouve, c'est une base. C'est Jimmy qui l'a publié. Voilà, c'est... attends que je regarde ça. J'ai mis ça où? C'est un Ranger RCI RHF 618 Review. Alors, je sais pas. T'en as entendu parler, non? C'est la première fois que je le vois, hein, ce poste, ouais, mais j'ai la photo, je le vois, ouais. Ah oui, bon, le lien qui est avec, c'est pas trop enfoncé, là, c'est bien dommage. Alors, attends, je vais voir si je peux faire, si je peux traduire ça avec Google. À moi, de ton côté, ça t'apparaît en français ou pas là, les commentaires là qu'il y a là sur, directement sur la page là du site, c'est quoi le site? CBRadioMagazine.com. C'est un site américain apparemment, vu ce que le navigateur me dit. Ouais, je vois pour faire traduire la page par Google parce que il m'intrigue ce poste. Ok, alors que je mette ça dans Google. Moi c'est pas aussi rapide moi chez moi là. Là je suis un petit peu dans le trou du cul du monde moi ici là. Hachi. Je suis dans les caractéristiques, je regarde le net à l'œil. Ouais, moi c'est pareil. Voilà, ça y est. Ça s'est traduit là à l'instant. Alors voyons ça. Hop, là j'ai vu nouveau. Donc oui. Alors oui, c'est un nouveau. Voilà, c'est un nouveau poste, une nouvelle base. Et donc c'est le. Alors attends, c'est juste 2250 DX.
qui serait mis dans un boîtier, qui serait mis en base. Eh bien, ouais, pourquoi pas. Ben, y a déjà une version base du RCI. Mais bon, c'est vrai que quand je vois la gueule qu'il a, il fait plus décamétrique hein, quand même celui-là. Là, c'est vrai qu'il est il est assez sympa. Moi, j'aime bien en tout cas. Alors, voyons un petit peu ce que... je suis en train de chercher les caractéristiques. La page est longue. Et puis les photos, en veux-tu, en voilà. Hein. Alors, les branchements, ok, d'accord. T'as même une pendule dessus. Eh, t'as tout dessus, t'as un calendrier, t'as une pendule. Bon, affichage de fréquence. Je vois pas l'affichage des canaux. À moins que... ouais, l'affichage du canal, en principe, on peut le rattraper par le bouton lock, si c'est comme sur le RCI normal. Putain, le RCMET. Alors, en barre graphe, SWR, PWR, mode, t'as les trois qui s'affichent ensemble. Il y a des mémoires. Ok. Il est pas mal équipé quand même. Hein. Ah, il y a une vidéo aussi avec. Hein. Ah, ben c'est sympa ça. Alors là, il y a un truc l'intérieur. Ah là, tiens, dans l'intérieur, on voit il est cloisonné quand même. Ça se voyait plus trop. Donc c'est pas mal. Ouais, j'aime bien quand c'est comme ça. Ouais. Eh bien, pour les caractéristiques, je vais peut-être passer un peu vite. Hein. Mais à du blabla, en veux-tu, en voilà. Ouh la vache. Là, il y a de quoi argumenter là, avec tout ce qu'il y a dessus. Alors, il y a une petite vidéo là qui m'interpelle, je la regarderai tout à l'heure. Ouais, pas de problème. Moi, c'est pareil, j'ai pas les caractéristiques. J'approfondirai un petit peu plus tard. Voilà. On va laisser un petit blanc derrière, des phases où quelqu'un sera allé. Et en avant les stations. Ouais, il y a un truc à couiner là. C'est toi, Chamou, t'as un problème avec ton TX hein? Si c'est le cas, je sais pas comment. Mon téléphone il est où? Je vais vite attraper mon téléphone pour. Si c'est toi, Chamou, qui a un problème de TX, envoie-moi un SMS. C'est pas bon, ça marche parfaitement bien, il y a un rigolo qui fait le couillon. Ah, faut pas dire ça trop vite, c'est peut-être une station qui a un problème justement. Ça peut être un OM aussi qui a un problème avec sa station, hein. c'est possible. Hein. Peut-être, je sais pas. Je reviens tout à l'heure. Déjà? Ah mais couillon, je suis chez mon parrain, je reviens. Lâcheur. Ah, ok, là il n'y a pas de souci, on comprend bien, il n'y a pas de problème. Hein. Ok, à tout à l'heure. Ouais, très vite hein, quand même. Ouais, ok. Ok, parce que là pour le moment on n'est que deux là, à faire le QSO. Là. Ok, Eric. Ouais, Chameau, il est sur Sainte-Colombe, là, il est pas au-dessus de ma tête, mais pas loin, quoi. Hachi, il est sur les hauteurs, là, de Sainte-Colombe, il est pas loin, quoi. Donc là, il est en terrain dégagé, tu dois arriver à l'entendre. Ouais, j'ai entendu parler, mais c'est vraiment qui en fait, parce qu'il doit être en petite puissance, voilà. Mais j'ai entendu Chameau, les amitiés, si tu m'entends, j'espère que tu vas bien, retour à toi. Ouais, il est déjà repassé en QRT et il reviendra tout à l'heure. Là, il fait de brefs passages, là, disons que là, il est en famille. Il vient de temps en temps nous faire un petit coucou, il repart, il revient. C'est un petit peu le bordel de ce côté, quoi. Ouais, on est bien, on est obligé de s'entretenir compagnie tous les deux, ce soir. Ouais, bon, c'est pas bien grave, hein.
Je viens de mettre, je suis en train de mettre la vidéo là sur le forum, dans les nouveaux posts, voilà. Je viens de faire découvrir un truc dans les nouveaux posts de Sibi là sur le forum, où je viens de rajouter là la vidéo là qui va avec. C'est une vidéo YouTube, hein, donc là ça va être facile de la voir. Ouais, ok, je vais avoir ça tout à l'heure. Ouais, bah tu vois, moi parler et faire autre chose en même temps, ça me réussit pas. Hachi, qu'est-ce que j'ai merdé? J'ai pas fait ce qu'il fallait. Si, pourtant, médias, YouTube, ça paraît bon ça. Eh merde, attends, voilà. T'as eu des nouvelles de Pascal aujourd'hui? J'ai pas eu le temps de regarder, là, je suis rentré, là, juste tout à l'heure. Négatif, j'ai eu personne, c'est la propagation, zéro, ouais, c'est encore zéro en ce moment, hein. La journée, ça allume, t'entends que le bruit de la bande, et puis c'est tout, ouais, ça sent pas la bande. Ah ouais, d'accord. Oui, j'ai vu ça, là, parce que là, ce coup-ci, j'étais en fréquence. Le temps de la route, et même cet après-midi, on est allé sur Arcachon, la dune du Pilat. Arcachon, je suis allé là, carrément sur le port de Plaisance. Donc, j'ai un peu écouté de ça pour voir. Après, on est descendu là, du côté de la dune du Pilat jusqu'à Biganos. Rien. Pas un QRM, rien, le silence complet. Ah merde, pourquoi elle apparaît mal la vidéo? Bon, peu importe, on s'en fout. J'ai fait le tour des canaux, rien, pas un QRM. Putain, j'ai halluciné. Comme j'ai dit à ma femme, la voix des ondes, Hachi, elle n'est pas à côté de moi, je peux en profiter. je dis, on courait presque que le poste est en panne, tellement que c'était le silence. Pour les hommes, hein, parce que alors, la couche, il y en a, qu'on repasse sur les autres, et puis qu'on attrape le petit cousin. Affirmatif. Ah, sortie maxi 77 watts. Quel donc. Il ne savait pas mis 70 ou 80, mais 77. Bon, d'accord. Et il sort 77 watts, là, ce Ranger, là, le... Là, ce... Putain, ça y est, j'ai zappé le nom exact. Le voilà. Le Ranger RCI RHF 618. Putain, ce nom de guerrier. J'ai halluciné ce silence qu'il y a eu. Et toi, justement, il y a pas mal de monde qui font des expéditions l'été et tout, parce que la température est meilleure et tout. Ouais, d'accord. Mais à côté de ça, putain, mais c'est acrobatique, hein, c'est raide, hein, pour aller faire des contacts l'été. Hein. Alors que l'hiver, la propague est quand même beaucoup plus stable. Hein. Bon, attends, pour savoir. J'entends parler derrière, je sais pas, ouais, c'est un petit malin. Oui, Chamou, en avant. Ouais, c'est en train, je suis de retour là, je prends la route. Je prends la route. Je recule, je fais gaffe de ne pas prendre le poteau. Ouais, tout à l'heure, je pouvais pas trop parler, j'étais chez mon parrain, donc du coup, je pouvais pas trop parler, quoi. Oui, non, mais il n'y a pas de souci, on a très bien compris, hein, Chamou, il n'y a pas de problème. Ok. Bon, 73 à Eric, 73 à Eric, il n'y a que lui que j'entends, donc 73 à Eric. 73, Chamou, les héritiers. Ah, mais mon père, Eric, il m'entend. Ouais, reste sur les hauteurs là de Sainte-Colombe. Du côté du croisement, par exemple, de ce côté-là, dans ces coins-là, là, t'as des vignes là sur le côté, et si tu te gares par là, là, ça sera nickel. Là, tout, là tu vas arroser là, toute la région. Je me doute, ouais, ça t'arrangerait, toi. Mais il y a le petit frère aussi, il y a le petit frère avec moi aussi, donc bon, je vais rester un petit peu ouais, dans les coins, mais bon, je vais pas m'éterniser non plus, quoi. Ouais, bon, tu vas rester quoi, 10 minutes avec nous, au moins, quand même. Ah oui, je
peux rester plus longtemps. Mais ce que je veux dire, c'est que je peux pas rester sur le compteur plus longtemps, quoi. Après, si on te terre, je vais rester plus longtemps, c'est sûr, oui. Ah oui, d'accord, ok, tu me rassures. Attends, je baisse un petit peu. Ok, d'accord. Oui, tiens, voilà, là on était en train de parler d'un nouveau poste là, qui vient de sortir. Alors, c'est une base, hein. C'est une base qui ressemble un peu à un décamétrique. Tu te rappelles l'ancien poste que j'avais là dans ma station pour expédition, là, le RCI avec affichage orange. Bon, c'est ni plus ni moins ça qui est mis en base, avec un nouveau look, qui est assez bien sympa, quoi. Et la base à elle seule sort déjà 77 watts, hein. Oh putain. Elle est, je suis pas sûr qu'elle soit, elle n'est pas encore vendue en France, apparemment, puisque c'est montré sur un site américain. Et c'est vrai que ça a l'air d'être bien sympa, quand même. Là, je l'ai mis pour le moment sur le forum. Et tu verras, il y a un OM, il y a Jimmy sur le groupe Division 14 ODR, là, qui l'a mis. Hein. Et ouais. À voir. Ça restera le saké, c'est pas 77 watts. C'est du pourcentage qui parle, 77%, ils disent. Et couillon, juste à côté du pourcentage, t'as les watts de marqué. Ouais, Eric, c'est sûr que Dandy et moi, faut qu'on le fasse. Non, personne n'a entendu. Ah, j'ai entendu quelqu'un dans le lointain. T'as dû l'entendre, toi aussi, Chamon. Alors, attends, vite fait. Oui, enregistrer la station que j'ai entendue, là, dans le lointain. C'était très, très QRP de mon côté. Alors attends, que je retrouve vite fait, ça doit être vers le bas, oh putain, je sais plus, alors, une base comme ça, je serais curieux de voir le prix, hein. Voilà, alors il affichera 77 qui représente 77% de votre sortie maximum, 77 watts. Modulation peut frapper 99%, ce qui signifie que vous êtes à pleine modulation. Bon, la traduction n'est pas des top ou des meilleures, mais bon. Ouais, si, j'ai l'impression que c'est ça, hein, ça a l'air d'être 77 watts, hein, Eric. Hein. Ah, la phrase que tu as dit, il affichera 77 qui représente 77% de votre sortie max, pas 77 watts. Ah, ok, d'accord. Ah ben, tu vois, justement, je n'ai pas eu le saké ce midi. C'est ça qui doit me manquer, là, pour que j'arrive à comprendre correctement. Il y a eu un break, j'ai entendu une station dans le lointain derrière. Alors, soit c'est un QSO parallèle qui se fait sur une autre région, soit c'est un break. La station, si tu m'entends, elle est en avant pour l'ensemble du groupe. J'entends gazouiller un petit peu derrière, mais je sais pas, Eric, je sais pas si toi tu l'entends mieux. Ben, c'est calme, c'est calme, on va faire l'habitude. Bon, d'accord. Chameau, de ton côté, tu l'entends peut-être mieux? Ah non, je l'entends pas du tout. Je vais passer au croisement de chez toi, j'ai oublié de faire un 73, mais bon, ça a discuté, tu as discuté, donc du coup, mais 73 en retard, du coup, 73 en retard, et voilà. Là, je suis en bas de Sainte-Colombe, là, je rattrape le cimetière. Ah ben, hé, si tu veux t'arrêter chez moi, il n'y a pas de problème, la porte est grande ouverte, hein, c'est le cas de le dire en plus. Hein. Là, il n'y a aucun problème, hein, j'ai des bières au frais, il n'y a pas de souci. Hein. Oh non, j'étais de passage, comme ça, j'étais de passage, juste. J'allais chez mon parrain, donc du coup, voilà quoi. Là, tu me mets cette place en la gueule, il va comprendre qu'il faut l'éviter. Non mais autrement, t'es à côté, si tu veux t'arrêter au QRA, il n'y a aucun problème, hein. Là, de toute façon, tu sais où je suis installé dans mon bar, là, comme d'habitude. Et donc, eh bien, je monte sur la vidéo, j'ai le bar qui est là, juste en dessous, voilà, comme ça, les EM me verront, à chi trois coups. Donc, j'ai les bières dans le frigo,
Attends, je vais essayer sans rien faire tomber d'ouvrir le bar. Voilà, les bières, elles sont tout à fait en bas. Voilà, ah, ça y est, ouais, on les voit. D'accord, pas de soucis. Mais écoute, là, j'ai mon frère qui doit montrer le terrain de crosse qui se trouve. Qui se trouve au domaine de Castillon. Et après, mais si tu veux, si madame est d'accord, on remonte, si tu veux, te faire un coucou alors. Ah bah tu sais bien qu'elle est toujours d'accord, hein, y a pas de souci, hein. Ouais, non, mais il n'y a aucun problème. Ah oui, le terrain de crosse qui est en face de la maison, là, qui est là au milieu des vignes. Ouais, il a pas l'air mal comme terrain. Hein. Là, ça a l'air d'être bien sympa, quoi. Ouais, c'est bon, je connais pas, donc du coup, il va me montrer ça vite fait. Il va me montrer ça vite fait. Et après, je sais pas si c'est vraiment de chez toi, mais après, ouais, je refais le tour, je remonte, et puis voilà, quoi. Ah ben c'est c'est pas compliqué. Vu d'où t'arrives, toi, au lieu de tourner à droite pour descendre vers chez moi, t'es allé tout droit. Direction le. Ben comme si t'allais sur Saint-Magne. Donc tu vas voir le premier virage en S, bon, virage à gauche, et puis après, au bout de la ligne droite, virage à droite. Là, t'as une petite côte, et ça redescend après. Avant d'attaquer un prochain virage à gauche. Et c'est à droite. Voilà. C'est à droite dans les vignes. À gauche, tu as une maison qui est assez éloignée de la route avec une piscine. Et c'est juste en face de cette maison, là, dans les vignes à droite. Mais là, tu vas rien voir, c'est dans le noir. D'accord. Attends, alors là, je suis à Saint-Magne. Oui, non, mais je sais qu'on t'a. Mais je suis à Saint-Magne. Et je me trouve à l'église. Non, au cimetière de Saint-Magne. J'ai tourné à droite parce que t'as le choix soit pour tourner à droite ou soit à gauche. T'es déjà rendu au cimetière, t'es allé trop loin, il faut que tu fasses demi-tour, que tu remontes. Voilà, tu remontes direction Sainte-Colombe. Donc en remontant direction Sainte-Colombe, là tu vas passer le premier croisement, après virage serré à gauche, ça monte, t'as une petite maison abandonnée sur la droite, ça redescend avec un virage à droite. En bas de cette descente qui est en même temps en virage à droite, tu as une maison sur la droite. Et en face de cette maison qui est sur la droite, à gauche, au milieu des vignes, tu as le terrain. D'accord, ok. Mais oui, vous voulez me faire voir la maison là. Mais dans un chemin communal, le truc qu'il y a, c'est que il y a des maisons autour. Moi, je m'aventure pas avec un camion et tout ça. Ils vont croire que c'est Gitanos. Ah ben non, mais c'est normal, c'est en pleine nuit, là, tu vas rien y voir, c'est en plein milieu des vignes, tu verras que dalle, c'est pas éclairé, là. Allez, ramène ta fraise par ici, je te paye une bière, il n'y a pas de souci, là, il fait trop chaud, là, pour que tu restes à te promener comme ça, quoi. Ok, la chie, j'arrive. Ok, retour de micro, Eric. Là, ben toi, à quoi ça sert les cuissons du canal 27? Eh ben, ça sert aussi à faire des visus. Et voilà, c'est ça qui est bien, quoi. Mais comme ça, on va. Mais Eric, retourne le micro, je parle trop, moi. Ouais, ok, je te disais, coupe ta caméra, ça fait plus de 30 minutes. Ouais, surtout qu'il n'y a plus que 2 secondes. Voilà, tac. Ouais,